Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir une application qui est super formidable et je sais qu'elle va vous aider parce que moi, elle m'aide énormément. Si tu es du genre à acheter des téléphones et tu doutes toujours sur l'authenticité du téléphone, ou bien encore, tu ne sais vraiment pas si le téléphone a un problème. Si toi aussi, tu as déjà aussi acheté des téléphones de deuxième main, ça dépend aussi. Je vais te montrer une application qui va déjà te permettre de voir si l'application originale, s'il n'y a pas de problème sur l'application, sur les téléphones, excusez-moi, sur les téléphones, tu auras toutes les infos sur ton téléphone. Et c'est vraiment formidable. Donc, reste branché. Et abonne-toi pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos. Lorsque vous vous abonnez, veuillez activer la cloche de notification. C'est vraiment très important d'activer la cloche pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Voilà. Donc, en gros, l'application, vous pouvez la trouver sur Play Store ou bien Apple Store, je sais pas, ça dépend. Voilà, l'application se nomme Testy. Testy, c'est une application qui va vous permettre d'avoir toutes les infos sur votre téléphone. Lorsque vous venez ici, vous avez déjà le CPU du téléphone qui est là, les différents corps, le storage, la RAM, le network. Et lorsque vous venez dans test, c'est là que ça devient plus intéressant parce que vous allez pouvoir effectuer plusieurs tests sur votre téléphone. Donc déjà, vous allez pouvoir voir si l'écran n'a pas un problème, si les multitouches n'ont pas un problème, si le GPS, le network, le téléphone n'a pas un problème de réseau et tout. Vous allez pouvoir vérifier tout ça. Il suffit de venir tout simplement ici. Si c'est le screen que vous voulez voir, vous allez voir que toutes les couleurs vont s'afficher normalement. Voilà, toutes les couleurs vont s'afficher normalement. Ça, c'est le screen ou bien le multitouche pour voir s'il n'y a pas de problème en multitouche sur l'écran. Pour faire tous ces tests, là, vous voyez, c'est 5, 5, 5, 5. Si j'ai fait une main, vous voyez, vous pouvez le faire un peu partout sur l'écran. Vous voyez, pour voir s'il n'y a pas de défaut. S'il n'y a pas de défaut sur l'écran et tout. Voilà, et il y a le touchscreen aussi. Pour voir s'il n'y a pas des points sur l'écran qui déconnent. Voilà, vous allez pouvoir essayer afin de mettre tout ce qu'il y a sur cet écran-là pour voir si tout l'écran fonctionne et tout. Donc, c'est vraiment des vérifications assez typiques que vous devez faire. Le network pour faire un test de réseau pour voir si le téléphone n'a pas de problème de réseau ou bien de GPS. Vous allez faire un test de GPS. Voilà, oh, de GPS et tout. Et l'audio, pour voir si le téléphone n'a pas un problème d'audio. Vous voyez? Donc, c'est un test qui va se faire pour voir si tout passe. Les sensors et tout, vous allez tout essayer, les rotations, afin de voir si le téléphone est vraiment truc. Le device info, pour voir si le téléphone est original. Ça, c'est vraiment très important. Lorsque vous allez prendre votre téléphone, vous allez venir dans device info, on va vous demander d'autoriser les accès et vous allez voir la marque de votre téléphone, le modèle et tout, les devises et tout, Android 11. Vous allez avoir tout ce qu'il y a à savoir sur votre téléphone, le storage et tout, pour voir le CPU, vous avez la batterie, c'est vraiment important pour voir si la batterie est toujours bonne. On voit la capacité de la batterie, c'est en good, c'est vraiment très bon. Ce qui veut dire que la batterie est encore bonne. Donc, c'est tous ces paramètres-là que vous devez tester sur le téléphone afin de l'acheter. La caméra, pour voir si la caméra est bonne et tout. Les SIM, le biométrique, pour voir si voilà, le truc passe, l'empreinte digitale passe bien, vous voyez. Vous allez pouvoir tester tout ce qu'il y a, que ce soit l'empreinte digitale et tout, pour voir si ça passe bien. Le tout, c'est des trucs qui sont dans votre téléphone, voilà, qui sont dans l'application pour vous aider à mieux utiliser votre téléphone, que ce soit le voice recorder, screen recorder, pour ceux qui veulent filmer leur écran directement dans l'application. Vous avez cette option-là qui va vous permettre de filmer votre écran, d'enregistrer votre voix directement. Vous n'avez pas vraiment besoin d'une application annexe, ça se passe directement dans l'application. Le compas, il est aussi là, le stopwatch pour un minuteur. Voilà, si vous voulez utiliser un minuteur, vous allez utiliser ça, le stopwatch. Le code scanner pour scanner un code. Voilà, et le level, le privacy dot. Voilà, donc ça, c'est vraiment des trucs typiques. App manager pour voir
l'application que vous utilisez le plus qui occupe assez d'espace dans votre téléphone. On va attendre, vous allez voir. Je crois que c'est un app dashboard. Voilà, ici, on voit que j'utilise beaucoup OG WhatsApp. Il y a Facebook, il y a TikTok, il y a YouTube et il y a l'horloge aussi qui. Que ce sont des applications que j'utilise énormément. Voilà, on pouvait le voir. Voilà, donc pour télécharger l'application, c'est vraiment tout simple. Hein. Vous allez venir sur Play Store ou bien votre Apple Store. Vous allez entrer, tester, tout simplement. Et vous allez tomber sur l'application. Comme on peut déjà le voir ici, on dit une application pour votre téléphone, test complet. Avec cette application, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités matérielles de votre appareil, y compris les caméras, les antennes et les capteurs. L'application vous montrera les informations complètes sur votre appareil. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une application qui est super formidable. Donc j'espère vraiment que cette application vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis pour que eux aussi puissent découvrez aussi cette application. Portez-vous bien. Ciao, ciao.